Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mercredi 9 novembre 2022. Elle s'intitule « La théorie des dominos ». Dans tout pays normalement constitué, lorsque le premier administrateur de la nation, le président de la République, donne un délai chiffré à son exécutif pour rendre public un rapport, les conclusions d'une commission ou un cahier des charges, le dit document est publié à la date fixée, dite. C'est ce qui fait que la parole du premier magistrat du pays est crédible, attendue dans son exécution. Pourquoi ce préambule? Parce que j'ai sous les yeux en archives récentes la directive de Gigi à son gouvernement le 23 octobre dernier. Le cahier des charges automobiles doit être rendu public dans une semaine au plus tard. Donc, si j'ai encore la faculté mentale de calculer, d'additionner les jours, je peux dire avec une infime marge d'erreur qu'aujourd'hui, 9 novembre, nous sommes entrés allègrement dans la troisième semaine qui nous sépare de l'ultimatum présidentiel. Bon, je ne veux pas chipoter, encore moins faire des misères aux mouches à moins qu'elles ne soient électroniquement d'abamouleil. Mais deux semaines et demie, ce n'est pas une semaine. Sauf s'il ne s'agit pas du même calendrier et des mêmes horloges qui rythment nos vies en haut et en bas. À la limite, rien n'obligeait Gigi à fixer un délai de 7 jours pour ce cahier des charges. Son entourage, en charge du dossier automobile, aurait pu lui souffler à l'oreille qu'une semaine, c'était trop court, un peu juste, limite irréalisable dans ce laps de temps. Franchement, à voir ce que nous, usagers et consommateurs, avons attendu comme temps fou des années avant que ça ne se goupille enfin et débloque, deux ou trois semaines en rab, voire un mois de plus d'attente, qui d'entre nous aurait crié au scandale et appelé aux barricades? Personne, bien sûr. Mais à partir du moment où un délai officiel, caché, présidentiel, faisant foi, est apposé sur un acte de gestion, le SMIG, c'est qu'il soit respecté, les chronomètres en haut et en bas en attestant. En quoi c'est important? D'abord, en termes de recouvrement de ce qui a été escamoté, barboté, 20 ans durant au moins, volé au peuple, la crédibilité de la parole officielle. Ensuite, pour les répercussions qu'une telle légèreté avec les dates peut avoir sur la chaîne de gouvernance. Si le temps arrêté et fixé par le président de la République n'est pas respecté par ses équipes, pourquoi diantre s'étonner ensuite que les calendriers et timings du Premier ministre, des walis, des secrétaires généraux de Wilaya et autres démembrements du pouvoir décisionnel soient pris par-dessus la jambe? De manière triviale, et pour illustrer le propos, cette chaîne de la décrédibilisation de la parole officielle porte un nom, la théorie des dominos. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.